Et c'est parti pour la découverte de notre deuxième euh, diagramme dans le cours d'analyse et modélisation. On va aller faire de la modélisation orientée objet aujourd'hui. Donc, on va aller regarder deux types de diagrammes qui vont être conjoints ensemble. Donc, on va commencer avec des diagrammes d'objets, puis après ça, on va parler des diagrammes de classe, qui va être la version généralisée des diagrammes d'objets. Donc les diagrammes d'objets et de classe, ça va être euh, particulièrement les diagrammes de classe, ça va être le diagramme euh, possiblement le plus important de ce cours-ci, parce que c'est lui qui a un impact direct. Sur la conception de bases de données. Donc, euh, les diagrammes de classe vont être utilisés pour représenter les schémas des bases de données. Donc, ici, euh, vous avez un cours d'SQL en même temps. Là, hein? On a commencé à parler de table, j'imagine, de colonnes, puis de types. Est-ce que c'est des choses qui vous disent des choses à ce point-ci? <laughs> oui, ouais, certainement. <laughs> Comme Ça fait cinq semaines, là, je me dis, euh, c'est quand même legit, là, on est pas mal certain d'avoir ça. Donc, euh, le principe, c'est qu'on va être capable d'utiliser les diagrammes de classe, puis peut-être même que vous en avez, en avez déjà vu par la bande, là, sans savoir que c'était ça, euh, pour être capable de représenter les euh, schémas des bases de données. Donc, pour indiquer qu'on a telle table, puis dans telle table, on a telle information, puis dans telle table, on a telle information. Puis qu'entre les deux tables, on va avoir des références, hein, des liens associatifs. Donc, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore ou vous êtes en train de voir ça, là, les références à l'intérieur de table SQL, ben ces informations-là vont pouvoir aussi être représentées à l'intérieur de diagrammes de classe. Ce que ça implique, ça, ça veut dire que quand tu veux construire une nouvelle base de données, ben, il va falloir que tu euh, conceptualises, que tu crées un diagramme de classe. Puis c'est comme ça que tu vas arriver à un consensus à l'intérieur de l'équipe de euh, conception sur qu'est-ce qui va être enregistré à l'intérieur de la base de données. Donc, on va aller regarder ça en détail aujourd'hui. Pour commencer, on va parler d'objets. Donc, quand on parle d'un objet, okay, on parle en fait d'un. Euh, si on parle toujours en analogie avec les bases de données, là, on va parler d'un enregistrement. On va parler d'une ligne d'information quelque part dans une table. Euh, ici aussi, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand je vais jaser, il va y avoir des analogies pour la conception, pour le design de euh, tables de bases de données. Mais euh, les caractéristiques des diagrammes d'objets puis des diagrammes de classe sont aussi utiles en informatique puis en programmation plus généralisée. Ça veut dire qu'il va y avoir certains éléments ici qui euh, n'auront pas d'analogie pour la conception de bases de données, mais qui vont avoir un, euh, un élément important quand vous allez faire euh, votre cours de euh, programmation un petit peu plus loin. Donc, euh, le principe, c'est qu'on va avoir un objet. Okay? Donc, un objet, ça va être une structure de données qui va contenir de l'information. Hein? Donc, euh, dans un programme, ça peut être une variable avec des informations. Dans une base de données, ça peut être une ligne, un enregistrement d'une table. Le principe, c'est que ça représente une entité. Okay, donc, on va appeler ça une instance du système. Puis, habituellement, euh, l'objet euh, en tant que tel va avoir différents attributs, habituellement qui vont avoir des noms. Hein? Donc, euh, en analogie de base de données, ça va être le nom des colonnes. Puis, après ça, on va avoir des valeurs okay, qui vont dicter c'est quoi les informations dans cet attribut-là. Que je peux avoir ici le principe de j'ai trois attributs, puis pour chacun des attributs, j'ai des valeurs qui se sont rattachées. Il y a différentes variations de la notation pour représenter des objets. Donc, le principe, c'est que les objets, c'est à l'intérieur de petits carrés. Où c'est qu'on a le nom de l'objet avec un élément souligné. Okay. Puis, on peut l'avoir à différentes granularités. Ça, ça va revenir souvent là, dans les diagrammes à objets et les diagrammes de classe. Euh, dépendamment de à quel niveau tu es en train de faire le diagramme, est-ce que tu es en train de juste passer des idées pour voir les grandes lignes ou est-ce que tu es en train de faire quelque chose qui va ultimement devenir le code réel? Bien, on peut y aller à différents niveaux de descriptivité, là, différents niveaux de quantité d'informations. Donc, on va avoir, quand on travaille avec les diagrammes d'objets, la possibilité d'avoir juste comme un nom pour l'objet. Ou on peut avoir le nom avec les attributs et les valeurs actuelles. OK? Donc, quand on a juste un objet tout seul, c'est implicite qu'il y a des informations qui sont sauvegardées avec. Donc, on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne, okay, dépendamment de quel genre de diagramme on est en train de faire. La deuxième chose qui euh, va être disponible, c'est qu'on peut donner un nom unique à notre objet, mais on, est, on a une alternative qui va avoir un, deux points. Suivi de ce qu'on appelle du nom de la classe. Donc, le nom de la classe, ça va être un élément qu'on va revenir plus tard, là, mais ça va être en gros une version généralisée de cet objet-là, qui va décrire les attributs possibles d'objets spécifiques. Okay, donc là, ici, j'ai Max Miller, hein, une. Un individu, OK? Un instance dans mon système. Ça pourrait être une ligne dans une table. Mais le principe, c'est que c'est un élément, une instance parmi d'autres instances du même type, hein, de la même, de, avec les mêmes caractéristiques. Donc, quand on le voit dans une table SQL, c'est assez évident parce que quand tu as une ligne avec un enregistrement, ben, tu pourras avoir d'autres enregistrements avec les mêmes genres d'informations à l'intérieur. Donc, tu peux avoir plusieurs objets de la même table. Hein? Puis la table, en fait, ça serait la représentation de la classe. Okay? Donc, une représentation générique sans avoir des informations spécifiques. Donc, on va voir ici qu'on peut avoir un nom, un deux points, puis on peut avoir le nom de la classe. Mais on peut aussi juste avoir le nom de la classe. Donc, Souvent, les objets ne seront pas nommés de manière identifiante. C'est juste, voici une personne, voici les attributs et voici les éléments qui sont euh, assignés à l'intérieur. Okay? Donc, on appelle ça un objet anonyme. Donc, on a le premier principe d'objet okay, qui me permet d'avoir des euh, informations. Okay, donc, un, une structure de données qui recueille plusieurs informations ensemble. Ici, juste une question pour vous. Est-ce que vous avez commencé à... Est-ce que vous avez vu les références entre les tables dans euh, les tables oh, SQL? Euh, oui, on a commencé. On a déjà commencé. commencé, donc je peux commencer à parler de ça, là, ça ne sera pas trop perdu. Oui, <laughs> oui. Ouais. Fait que, excellent. Donc, quand on a des diagrammes d'objets, on peut avoir des relations entre les différents objets. Okay? Donc, le principe d'une relation, c'est qu'on va avoir un lien entre un objet et un autre objet qui va dire qu'il y a une relation ici dans le système, qu'il y a une relation ici dans le comportement, qu'il y a une relation dans les informations qu'il partage. Donc, on a différents objets, hein, qui va être donc nos petites boîtes avec le nom de l'objet, le nom de la classe, les différents attributs, les différentes valeurs. Puis on va avoir des liens qui permettent de relier les éléments ensemble. Fait que je peux voir ici que j'ai un étudiant. Hein. L'étudiant est relié à un cours spécifique. Puis je peux voir ici que... Un autre étudiant est aussi relié à ce même cours-là. Hein, donc, on pourrait avoir ici une liste d'étudiants qui sont reliés à ce cours-là ici. Donc, si on y pense dans la version euh, table relationnelle de la chose, le principe ici, c'est qu'on aurait des colonnes hein, qui me permettraient de dire ben, en tant qu'étudiant, j'ai, euh, là, ici, ce serait une table d'association, on va recharger tantôt, mais le principe d'avoir, OK, ben, je suis capable de me dire cet étudiant-là est dans ce cours-là, cet étudiant-là est dans ce cours-là, cet étudiant-là est aussi dans ce cours-là, et ainsi de suite. Donc, c'est les représentations, OK, des liens, des relations entre les objets. Là, la prémisse, c'est que des objets, c'est bien le fun, non? OK, mais euh, de décrire ça, c'est extrêmement… ça permet d'avoir une… Vision instantanée de quelque chose, mais ça ne te ne permet pas de conceptualiser, okay, puis de designer un nouveau système. Pourquoi? Parce que euh, ben, on <laughs> a possiblement beaucoup trop d'objets hein, que qu'est-ce que notre diagramme va être capable de soutenir. Donc ici, j'en ai juste deux étudiants, là, mais juste dans la classe ici, on est 22 étudiants, il y en aurait 30 dans une autre classe, il y en aurait 40, tu aurais plein de liens, ce serait mail un petit peu partout. La deuxième chose, c'est que chacun des étudiants vont regrouper les mêmes informations. Donc, les informations spécifiques, c'est des choses durant la conception qui ne sont pas très importantes. Hein, parce que tu es en train de penser qu'est-ce que je vais être capable de sauvegarder, la minutie de exactement qu'est-ce qui est sauvegardé est pas mal moins importante que... Est-ce qu'il manque une colonne dans ma table Donc, on va avoir, oui, les diagrammes d'objets, mais on va avoir une version généralisée des diagrammes d'objets qui vont être les diagrammes de classe. Donc, le but de classe, c'est en fait de décrire qu'est-ce que va avoir de l'air un objet. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir dans cet objet-là. Donc, le principe de la classe, ça va être autant pour designer, pour conceptualiser des bases de données que pour conceptualiser des programmes. Okay? Donc, on va voir en programmation ce qu'on appelle de la programmation orientée objet, puis le principe de la programmation orientée objet, c'est de construire un problème où on représente les différentes entités avec des objets. Okay, puis pour être capable de créer les objets, ben on va créer les classes des objets pour être capable de euh, bien présenter cela. Donc, euh, le principe, c'est qu'on va avoir une classe qui est une description de ce que ça peut être. Puis, on va avoir ce qu'on appelle des instances de la classe qui vont être des objets de la classe. Donc, euh, les objets ont des informations spécifiques, okay, des valeurs directes. La classe, elle, va juste décrire quelles sont les valeurs que je peux avoir à l'intérieur. Donc, le principe de la classe, c'est qu'on va être capable de dire, ça va être quoi les caractéristiques que je veux sauvegarder? C'est quoi les caractéristiques que je veux représenter? On va aussi dans la partie programmation orientée objet. Donc, dans le design de base de données, ce n'est pas quelque chose qui arrive. Là. Mais dans la programmation orientée objet, les classes vont avoir une deuxième représentation. Pas seulement les attributs ils vont aussi avoir une représentation des opérations. Donc, ça va me permettre de représenter le comportement de la classe. Donc, les actions qui permettent d'être activées sur l'objet okay, que je vais travailler avec. Donc, admettons, j'ai des clients. Bien, les clients vont pouvoir faire des achats. Les clients vont pouvoir réserver une salle. Les clients vont pouvoir s'inscrire à des cours. Les clients vont pouvoir payer okay, leur euh, cotisation, leur facture. Donc, tous ces différents éléments-là vont être euh, représentés. À l'intérieur des euh, classes qu'on euh, va regarder aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va représenter les informations à l'intérieur d'une classe? Donc, on va avoir ici une boîte avec un texte au-dessus, puis avec les différents éléments en dessous. Donc, ici, point de convention. Okay, donc, quand on parle de convention, hein, c'est que tout le monde fait la même chose pour être capable de euh, s'y comprendre. Les noms des classes vont habituellement être une représentation de qu ce que ça l'essaye hein, de caractériser. Et le nom de la classe va toujours commencer avec une lettre majuscule. Donc, quand je vois quelque chose avec une boîte qui est une lettre majuscule, c'est une représentation d'une classe. Donc, on va avoir trois sections possibles. Donc, cela avec le nom de la classe. Il va avoir la liste des attributs. On va aller regarder qu'est-ce qu'on écrit à l'intérieur dans un instant. Puis, on va avoir les différentes opérations. Okay, en euh, programmation orientée objet, on va appeler ça les différentes méthodes disponibles pour euh, les objets. Donc, le principe, quand j'écris les différents attributs, okay, la manière que je l'écris, je vais pouvoir représenter un paquet de choses à l'intérieur. Pour être capable de comprendre comment écrire cette syntaxe-là, on va avoir ici un petit guide visuel okay, qui va nous permettre de euh, voir comment les choses fonctionnent. Puis ce guide visuel-là, là, okay, il est vraiment important parce que c'est euh, comment est-ce qu'on décrit beaucoup de types de syntaxes. Donc, euh, si je vous donne un petit exemple, si je m'en vais dans la documentation d'Oracle, OK, donc euh, Oracle est un des plus, plus grands revendeurs de bases de données, puis que je regarde comment utiliser le Select. Hein, pour aller sélectionner des informations dans une base de données, comment est-ce que je regarde la syntaxe du SELEC? Bien, c'est le même genre okay, d'organigramme, de descriptif. Donc, c'est important d'être capable de bien lire ce genre autres diagrammes-là pour être capable de comprendre la méthodologie, pour être capable de comprendre la syntaxe de qu ce qui est disponible. Fait que le principe, c'est... Je commence de la gauche, puis je vais suivre okay, les flèches. Si la flèche bifurque, c'est que je peux décider ou pas d'aller okay, dans cette partie-là. Si je regarde, le principe, c'est qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont facultatives. Il y a beaucoup de choses que je peux sauter par-dessus. Si je regarde, je peux sauter par-dessus la visibilité, je peux sauter par-dessus un slash, j'ai le name j'ai ensuite sauté par-dessus, sauté par-dessus, sauté par-dessus, sauté par-dessus, puis je sors de là. Le principe, c'est que quand j'ai un attribut, hein, une des informations que je veux sauvegarder dans ma classe, le minimum viable, okay, c'est d'être capable d'avoir le nom. Hein, le nom de l'attribut, je suis obligé d'avoir ça. Le restant est tout facultatif. Fait on va aller voir chacun des éléments qui sont facultatifs, voir qu'est-ce que je peux rajouter, puis pourquoi est-ce que ça serait utile de le rajouter. Fait que le premier, ça va être la visibilité. Donc La visibilité, ce n'est pas quelque chose que nous, en tant que concepteurs de base de données, on va s'affairer beaucoup, mais quand on va tomber dans la partie de programmation, c'est là que ça devient important. Donc, Il existe différents types de visibilité. Donc, euh, en gros, c'est qui qui a le droit d'aller travailler avec cet attribut-là. Donc, on a ici public pour dire que c'est tout le monde, privé pour dire que l'information existe, mais ça va seulement être l'objet qui est capable de le traiter avec ses différentes opérations. Donc, le principe, pourquoi est-ce que je voudrais avoir de la visibilité dans mes attributs-là? Okay? Ben, c'est le principe de... Peut-être que je veux sauvegarder quelque chose, mais je ne veux pas que n'importe qui soit capable de le modifier à l'intérieur du système. L'exemple typique, c'est l'utilisation d'un compte de banque. Donc, quand j'ai un compte de banque, un des attributs, là, une des informations importantes que je veux sauvegarder dans mon compte de banque, c'est le solde. Hein, combien j'ai d'argent dans mon compte. Mais cet attribut-là... Je ne veux pas avoir un accès direct à cette valeur-là de manière programmationnelle, de manière informatique. Parce que sinon, ben, on se retrouverait avec beaucoup de millionnaires et de milliardaires du jour au lendemain. Le principe ici, c'est que le solde, c'est une information qui est primordiale, qui est extrêmement importante, mais qui doit être protégée. Donc, je ne peux pas juste aller chercher cette information-là dans le grand public. Donc, on voit ici qu'on pourrait avoir ici des éléments privés. Il existe deux autres types de euh, visibilité qui sont plus privés. Ce pas des choses qu'on peut comprendre pour l'instant avec nos euh, non-connaissances en programmation orientée objet. Que pour l'instant, on va juste parler de public ou privé. Le principe, c'est qu'on a des symboles qui vont être utilisés. Donc, on n'a pas besoin d'écrire le mot au complet. On peut utiliser le symbole okay, pour indiquer la visibilité. S'il n'y en a pas, habituellement, c'est que c'est public. Donc, s'il n'y a pas de symbole, c'est juste public. On a ensuite la possibilité d'avoir un slash devant l'information. Donc, le slash ici, ça va être pour nous aider quand on va construire la base de données. Le slash indique que c'est un attribut dérivé. Donc, le principe de l'attribut dérivé, c'est que l'information est dérivée d'une autre source d'information. Donc, dans ce cas-ci, on a, dans notre exemple de personne, on a l'âge de quelqu'un, puis on voit que c'est dérivé. Ben, de quelle information est-ce que je peux dériver l'âge? mais ben, si je regarde ici, j'ai le DOB, okay, en anglais, c'est le Date of Birth, la date de naissance, qui est une... Date. Donc, j'ai déjà l'information de la date de naissance. Ayant la date de naissance, puis assumant que le système sait on est quel jour, on est toujours capable de dériver l'information qui est l'âge. Puis, non seulement ça, c'est encore plus intéressant parce que euh, cette information-là ne, ne, euh, ça, ça ne sera pas nécessaire de sauvegarder cette information-là dans la base de données. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est avoir un élément fonctionnel, une fonction qui va nous permettre de prendre la date de naissance, puis de calculer l'âge de manière automatique. Donc, moins de données, moins d'espace, plus de performance. Donc, on a le petit slash que je peux mettre avant le nom pour indiquer que l'information est dérivée. On a ensuite le nom de l'attribut. Donc, euh, par convention, les noms des différents attributs, ok, ça serait dans notre vision de base de données, le nom des colonnes, ben on va y mettre un, euh, une minuscule au début. Puis on va utiliser ce qu'on appelle le camel case. Donc, c'est une nomenclature qui dit que si tu as plusieurs mots à écrire, tu vas garder ça en un seul mot. Mais quand tu changerais de mot, c'est tu sais, first name, last name, bien, ça serait un N majuscule à la place. Fait qu'on a le name. Parfait. Ensuite, l'élément le plus commun, autre que le nom, hein, qui est obligatoire, ça va être le type de données. Donc, le type de données, ça va être la manière dont l'ordinateur va être capable de stocker l'information. Ça va être quoi? Les valeurs possibles. Donc, euh, il va y avoir euh, deux ou trois types de données euh, possibles. Donc, euh, on peut avoir une autre classe qui serait définie. Donc, le principe ici, c'est je pourrais avoir un autre. Classe plus tard, qu'un de ces attributs, ça serait une personne. OK? C'est euh, possible. Ça se peut aussi qu'on ait des types de données qui soient des types qui vont là être dépendants de, du système dans lequel tu vas l'implémenter. Fait que si tu utilises des bases de données, ben, le principe, c'est que chacune des bases de données a sa collection de types. Donc ici, euh, si je m'en vais ici, Si je regarde, puis ici je fais le tour de différentes documentations de différentes bases de données, juste pour démontrer qu'il y en a plusieurs, il faut, faut toutes les connaître à un certain point. Donc, si on regarde ici, on a des types de données, puis si je peux regarder ici, ben, j'ai des types entiers, des integers, okay, j'ai numérique, euh, je peux avoir ici des euh, types de caractères. Fait que je peux avoir ici Character ou Texte ou Char n. Donc, ça va dépendre de euh, quelle base de données je suis en train d'utiliser, quel système je m'en vais. Même principe en programmation, on va avoir des types de données qui vont être dépendants du langage dans lequel je vais écrire le programme. Euh, S'il n'y a pas rien, on a comme convention d'utiliser les mêmes types que le langage Java, okay, qui était le langage le plus populaire quand le UML a été euh, sanctifié c'est euh, pas mal ce qui se passe donc on a les types puis on va avoir un dernier une dernière sorte de type de données qui va être une énumération donc euh, le principe de l'énumération c'est d'avoir une liste de valeurs possibles ok pour être capable de dire ben, c'est un de ces trois là ça ne peut pas être autre chose. Donc, l'énumération, le principe, c'est de dire il faut que ça soit à l'intérieur d'une liste, hein, d'une énumération, c'est pour que ça s'appelle comme ça, puis de donner la liste des possibilités derrière. Donc, le principe ici, c'est que le type peut être une énumération, puis j'aurais une autre représentation à côté qui m'indiquerait ce serait quoi, c'était une énumération-là. Ça serait quoi les valeurs possibles de la dite énumération? Donc, on a ici un exemple où c'est qu'on a une énumération de différents diplômes où c'est que tu peux avoir un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. Tu n'as pas d'autres diplômes universitaires possibles. On va voir ensuite la multiplicité. Donc, la multiplicité, c'est... Le nombre d'éléments qu'on va pouvoir sauvegarder à l'intérieur. Donc, le principe des diagrammes de classe, c'est que ce n'est pas une analogie un à un à ce que les bases de données sont capables de faire. Donc, la multiplicité, si on rentre ça dans une classe, quand on va vouloir faire la base de données, il va y avoir des considérations autres à gérer derrière. Mais quand on fait la conception, c'est habituellement un petit peu plus facile de dire, ben ça se peut qu'il y ait trois, quatre numéros de téléphone. C'est pas grave. Donc, quand on travaille avec des multiplicités, okay, on va indiquer à l'intérieur de crochets carrés. Donc, encore une fois, là, on a le même principe. Vous savez que la multiplicité, c'est quoi? Ben, c'est cet élément-là. Donc, j'ai des crochets carrés. À l'intérieur, j'ai un min deux points, puis un max ou un étoile. Donc, le principe, c'est, j'ai une borne inférieure et une borne supérieure pour indiquer combien d'éléments différents je vais être capable d'enregistrer. Donc, si tu dis, ben, dans mon système, je veux que la personne aille de 1 à 3 numéros de téléphone enregistrés, ben, tu peux avoir ici le 1, 2.3. S'il n'y a pas de valeur maximum, ben, on peut mettre un étoile à la place. Okay? Donc, je pourrais dire, j'ai au moins besoin de un numéro de téléphone, mais je peux en avoir une infinité. Donc, c'est un, deux points étoile. Si on n'a pas de limite supérieure, puis on n'a pas de limite inférieure, fait on peut en avoir aucun. Hein, donc, on peut avoir zéro jusqu'à un infinité. On a un raccourci syntaxique qui me permet de dire que c'est juste. Crochet, étoile, crochet. Donc, ça, c'est la même chose de dire de 0 à 1 infinité. Donc, la multiplicité, ça se met après le type. S'il n'y a rien, c'est un indicateur qu'il y a juste une information de reliée à cet attribut-là. J'ai une question de Carmen. Oui, euh, je n'ai pas vraiment compris la partie, euh, l'exemple que tu donnais par rapport au numéro de téléphone 1, 2.3. C'est ces trois chiffres qu'on devrait donner. Euh, c'est pas clair du tout oh ouais. point... C'est moi qui c'est mal expliqué, je, je crois. Ah, okay. Quand j'ai dit euh, de 1 à 3 numéros de téléphone, je parlais à un 1 à 3 numéros de téléphone complet. Donc un numéro de téléphone pour la maison, un numéro de téléphone pour le travail, un numéro de téléphone cellulaire. Donc, okay, si, ce okay. serait un numéro de téléphone, pas un chiffre dans le numéro de téléphone. OK, là, c'est bon. Excellent. Bonne, bonne question. All right. Fait qu'on a le principe de multiplicité. On continue avec les valeurs par défaut. Donc, on peut indiquer quand on. A un objet qui n'assigne pas lui-même une valeur à sa création, on peut lui indiquer, bien, si tu rien mets ça à la place, c'est mieux que de rien avoir à l'intérieur de cet attribut-là. Donc on peut avoir un égal avec une valeur quelconque initiale. Puis finalement, on a Ici, un élément qui est plus intéressant pour euh, sa propriété dans le tableau que pour qu ce que ça fait. Là. On va avoir une liste de propriétés. Donc, euh, si je lis ça ici, là, je peux voir que la flèche, elle va dans l'autre sens, contrairement à toutes les autres flèches euh, du diagramme. Mais Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que je vais avoir des accolades. Hein? Puis, je vais avoir une propriété. Puis, là, j'ai un choix. Soit que je termine l'accolade, ou sinon, j'ai une virgule et j'ai une autre propriété. Donc, cette représentation-là indique que je vais avoir une liste de propriétés possibles. Donc, euh, j'en ai au moins une, mais je peux en avoir une avec une deuxième, avec une troisième, avec une quatrième, avec une cinquième, puis après ça, j'aurai fini, puis je pourrais sortir. Donc, euh, le principe, c'est qu'on a donc plusieurs propriétés possibles qui vont nous indiquer des choses. Habituellement, ça va être autour de la programmation orientée objet, là, fait que nous autres, ce n'est pas des choses qu'on va voir beaucoup. Donc, on peut avoir des propriétés comme Read Only, donc c'est seulement une propriété qu'on peut lire, on ne peut pas la modifier. On a Unique, où c'est que aucun doublon serait... Autorisé à l'intérieur de tous les objets de cette classe-là. Non unique, c'est par défaut, donc c'est juste que les doublons sont autorisés. On a ensuite le ordered ou le unordered. Donc unordered, c'est le défaut, okay, tu peux avoir les informations dans l'ordre que tu veux. Puis ordered, ça veut dire que l'ordre est fixé, habituellement en ordre alphabétique ou en ordre numéré. Mais le principe, c'est qu'on peut voir ici, les utilisations. Donc, avec accolade, on peut avoir une propriété ou plusieurs propriétés qui sont délimitées par des virgules. Fait que ça, ça fait le tour des, euh, oh, des attributs. Donc, pour les attributs, on est capable okay, d'avoir un paquet d'informations. Mais habituellement, okay, on va avoir le nom, un deux points, le type, puis on va s'en faire avec ça. Ensuite, on va voir pour les opérations. Donc ici, pour les opérations, je vais y aller très rapidement parce que c'est pas des choses qu'on hein, va utiliser pas avant qu'on aille dans de la programmation orientée à objet. Puis quand vous allez être rendu là, vous allez revoir cette euh, représentation-là. Avec le principe ici, c'est pour les opérations, on va avoir, euh, donc ici, un petit rappel, là, les opérations, c'est les euh, appels en fait de fonctions. Donc, euh, le principe, ça va, ça va être semblable à des fonctions en programmation. Puis qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va avoir... Plusieurs éléments qui vont être semblables. Fait qu'on va juste aller voir ceux qui sont différents. Si on regarde ici, on peut voir qu'on a la visibilité, même principe. On a le nom, même principe. On va avoir des parenthèses. Puis à l'intérieur, on va pouvoir avoir des paramètres. On va rejaser. On a le type, même principe que pour les attributs. Puis on a la liste des propriétés, encore une fois, même principe. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ça va être les paramètres. Le, euh, les fonctions, ça va être des blocs d'instructions, donc des choses qui permettent de soit modifier euh, les différentes instances, les objets qui sont rattachés, ou sinon sortir de l'information, calculer des choses. Okay, ça va être des blocs d'instructions informatiques. Quand on a un bloc d'instructions informatiques, on a une fonction, cette fonction-là va souvent avoir besoin d'informations préalables. Donc, c'est ce qu'on appelle des paramètres d'entrée. Donc, on va avoir une liste de paramètres qui vont être séparés par des virgules. À l'intérieur, il y a d'autres informations, là, puis il y a toute une panoplie d'informations pour les différents paramètres. Ce n'est pas des choses que nous, on va voir. Chose intéressante quand on a les opérations, le type là, qui est après le deux points, ça va être le type du résultat. De cette opération-là. Donc, c'est supposé générer une réponse. La réponse est donc une donnée informatique. Si c'est une donnée informatique, faut que ça aille un type. Puis euh, c'est ce qui est écrit après le deux points. Alright. Donc, On va avoir des euh, informations qui vont être euh, associées à des notations de programmation orientée objet. Encore une fois, ce sont pas des choses que nous, on va aller euh, chercher. Par contre, on va avoir une information qui euh, va être euh, intéressante. Là. Même là, c'est des choses que nous, on ne verra pas. Avec les variables de classe, ouais, ce n'est pas des choses qui vont être traitées par nous. Fait que, on peut skipper ça. Euh, encore une fois, comme pour les objets, le principe c'est qu'il y a différentes variations de granularité dans la représentation des classes. Donc, dépendamment si tu es en train de juste représenter c'est quoi les différentes classes possibles. Puis, est-ce que c'est la représentation que je m'en vais écrire directement dans ma base de données? Ça ne sera pas exactement la même granularité d'informations. Okay? Donc, on peut avoir différents niveaux de détails. C'est bien normal. Donc, on peut y aller hein, à grain fin, donc avec le plus d'informations possible, ou juste avoir au plus minimal juste le nom lui-même de... Euh, la classe. Habituellement, nous autres, on va se situer entre les deux, là, avec le nom de la classe, le nom et les types. C'est habituellement qu'est-ce qui euh, va être disponible. Parfait. On n'est pas pire. On continuerait avec les principes de relation et d'association. Mais avant de faire ça, on va se prendre une première petite pause. Donc, une petite pause avec un 10 minutes arrondi. Donc, on reviendrait à 6h55 pour reprendre avec les associations. Donc, pause, retour, 18h55. À tout de suite. Et nous revoilà. On était donc en train de parler des diagrammes de classes. Pour l'instant, on avait des classes tout seules dans leur boîte avec leurs attributs et plus tard en programmation leurs opérations. Mais ultimement, ce qu'on va vouloir faire, nous autres, ça va être un diagramme de plusieurs classes. Donc, pour être capable de représenter un diagramme de plusieurs classes, il va être capable... Il va falloir représenter des associations entre les classes. Donc, les associations, c'est ce qui va devenir les relations ultimement entre les tables dans les bases de données. Donc, le principe ici, c'est qu'on va avoir un gentil lien, puis ce lien-là va avoir, comme on peut le voir ici, un paquet d'options, okay, avec des flèches, avec des X, avec des étoiles, avec des nombres avec des euh, flèches dans le milieu, avec du texte. Mais ultimement, le principe, ça va toujours être de représenter les euh, liens possibles entre les objets de ces classes-là. Donc, euh, le principe ici, c'est de dire que j'ai des étudiants, j'ai des professeurs, puis je peux avoir un lien entre ces éléments-là. Fait que ça se peut que tel étudiant ait tel lien avec tel professeur, que tel étudiant ait tel lien avec tel et tel professeur, puis ça se peut que tel étudiant ait un lien avec aucun professeur. Donc, on va voir comment utiliser les différentes options des associations pour aller couvrir toutes ces différentes possibilités-là. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir, euh, c'est quoi les différents éléments d'une association. Donc, euh, premièrement, une association va pouvoir se faire euh, entre deux ou plusieurs classes. Pour l'instant, on va se contenter d'une association qu'on dit binaire, hein, un binôme, donc deux éléments, donc une association entre... Deux classes. Donc, on va avoir un lien qui va être fait entre les deux classes. On va avoir un nom de l'association. Donc, si c'est pas. Puis là, ici, il y a plusieurs éléments qui, vont, qui sont facultatifs ultimement. Là. On va avoir le nom de l'association. Donc, en gros, habituellement, ça va être un euh, verbe ou un petit texte qui explique c'est quoi l'association. Donc, ça va être quoi la relation qui va être générée entre les objets. Puis, si ce n'est pas clair, il va y avoir une petite flèche pour indiquer de quel vers lequel cette association-là, le, duquel auquel le nom de l'association traite. Fait que, on dit que ça donne des cours pour. Puis là, ici, j'ai une flèche qui s'en va par là. Fait que, c'est le professeur qui donne des cours aux étudiants. Hein, donc, le sens de la flèche m'a permis de dire que ça, c'était le premier, ça, c'était l'action ou le verbe, puis ça, c'était la destination, le, le target de cette action-là. Donc, on a un nom d'association, on a un sens de lecture dans le besoin. On a ensuite le rôle de cet élément-là par rapport à cette association-là. Donc, on peut avoir ici un petit plus. Qui est la visibilité. Donc, encore une fois, le principe, cette relation-là peut avoir une visibilité. Encore une fois, ça va être plus en programmation, le public ou privé. Puis, on va avoir le rôle. Donc, le rôle, ça va être, ben, ça, ça le dit dans son nom, ça va être quoi, okay? le rôle avec l'autre élément. Donc, ici, pour l'étudiant, le lecteur, c'est comme l'enseignant. Donc, le professeur peut avoir des différents rôles hein, à différents éléments. Mais pour les étudiants, ça va être leur enseignant. On a ensuite de soit une flèche ou pas flèche pour la navigabilité. On va aller la rejaser un petit peu tantôt. Puis on va avoir aussi de la multiplicité. Donc, le nombre de relations possibles, le nombre d'associations possibles, okay, le nombre de liens possibles entre les différents objets. On va aller les voir tout en détail, chacun de ceux-là. Là. On va commencer avec la navigabilité. Donc, la navigabilité, ça va être dans quel sens est-ce que je peux aller chercher les informations. Donc, ça, ça va être important, puis ça va avoir une répercussion directe quand on va travailler avec les bases de données, hein, parce que le principe, c'est quand on travaille avec les références. Si j'ai un élément qui fait référence à quelque chose d'autre, ce quelque chose d'autre n'a pas nécessairement une référence inverse. Hein? Donc, euh, le principe, c'est qu'on va avoir de la navigabilité, qui va dire, ben, je peux aller de celui-là vers celui-là. Donc, euh, A peut accéder aux attributs de B, mais inversement, B ne peut pas accéder aux attributs de A. Donc le principe c'est c'est qui qui a une référence vers quelqu'un d'autre. Donc si on reprend notre exemple ici, les étudiants peuvent savoir c'est qui leur professeur. Mais le professeur tout seul n'aura pas, okay, un lien de tous ses étudiants. Donc de la manière plus ici c'est on ne parle pas en ce moment, est-ce que c'est la bonne idée ou est-ce que c'est la bonne chose, on ne parle pas de conception ici, là. on parle juste de règles et de syntaxe. Le diagramme qui est écrit tel quel, c'est ça que ça l'indique. Donc, navigabilité, c'est dans un sens ou euh, dans l'autre. Donc, soit que tu peux avoir le petit X avec la flèche, ou sinon, juste un trait tout seul qui indique que c'est des flèches dans les deux sens. En fait, le principe, c'est qu'on peut avoir un ou l'autre, okay, donc soit une ligne tout seul ou des flèches dans les deux sens, mais euh, des flèches dans les deux sens, vous n'allez presque jamais voir ça, parce que c'est un abus de langage. On peut juste avoir la ligne tout seul qui indique que ça va dans les deux sens. Même principe ici pour le petit x avec la flèche. Donc, quand on a juste une flèche tout seul, c'est la même information. Donc, souvent, on va juste avoir la flèche tout seul. Si on a juste la flèche dans un sens, c'est implicite qu'il y a un x dans l'autre sens et qu'on ne peut pas aller regarder les informations. J'ai une question de Tony. Oui. Euh, Est-ce que ces flèches ont le même sens dans le plan QML? Elles ont la même signification? Euh, ben, il faire attention au type de flèche, là, mais une flèche euh, ouverte pour un diagramme de classe, oui. Mais là, on n'a pas encore vu les diagrammes de classe dans plein UML. Fait que c'est pas. Euh, on n'est pas encore là. <laughs> mais oui, dans plein UML, on va être capable de représenter ces, ces flèches-là. On a donc. Un autre élément qui va être intéressant pour le design, donc euh, si j'ai à droite là, en quelque chose que tu es en train de créer, donc oui, OK, j'ai un professeur, puis là j'ai un étudiant, puis là, je veux avoir c'est qui les différents professeurs okay, que je veux avoir. Ben ici, cette syntaxe-là, où on fait cette représentation-là, n'est pas une représentation optimale. Parce qu'on va vouloir préconiser, on va vouloir essayer de mettre la plus grande emphase sur les associations que je vais avoir dans mon diagramme de classe. Donc, si à l'intérieur, on s'était dit qu'on avait le droit d'avoir un, un attribut qui a comme type un autre classe, bien à place d'écrire ça directement, on va vouloir le représenter sous forme. De euh, pardon, sous forme d'association. Donc, euh, ça ici, c'est à proscrire. Donc, si tu as un attribut qui est d'une autre classe, ça devrait être à la place représenté comme étant une association entre les deux. Fait que si l'étudiant peut savoir c'est qui ses professeurs, fait que c'est pour ça que la flèche va dans ce sens-là, puis le professeur, lui, n'a pas de lien. Direct avec ses étudiants, fait qu'on a un petit x dans ce sens-là. C'est bon, on a ici la représentation en programmation, mais on ne regardera pas ça pour l'instant. Ensuite, on a l'utilisation de la multiplicité. Donc, encore une fois, la multiplicité, le principe, c'est d'être capable d'indiquer le nombre de relations, le nombre de liens. Possible. Là, ici, quand je travaille avec la multiplicité, il va y avoir euh, des valeurs, okay? des deux bords. Puis, je vais devoir être capable de lire dans le bon sens ces informations-là. OK? Fait comment est-ce que je fais pour lire la multiplicité Puis le principe, c'est la multiplicité. Comment je l'écris C'est la même chose qu'on avait vu ici. Là. Donc le principe, c'est ça va être un minimum deux points, un maximum. Le maximum peut être une étoile. Si j'ai de zéro à étoile, je peux juste mettre un étoile. Ok. Donc c'est la même syntaxe pour la multiplicité. Mais quand je vais le lire, j'ai une multiplicité de chacun des bords. Fait que le principe, c'est, il faut que je vais vers l'association que je veux. Puis une fois que je suis rendu, c'est là que je lis la multiplicité. OK? Fait que ici, je peux voir comment est-ce que, mettons, je peux lire cet élément-là. Donc, j'ai un enseignant, puis j'ai des devoirs. OK? Fait que ce que je peux dire, c'est j'ai un de ça. Là, ici, je fais, je fais fi du, du un qui est ici. Là. Quand tu regardes, tu, tu dis toujours j'ai un de ça, j'ai un enseignant. Tu t'en vas vers la flèche. Puis j'ai combien de devoirs? J'en ai de 0 à un infinité. Donc, un enseignant peut avoir en lien avec lui des devoirs. C'est comme ça que je lis ça. Inversement, si j'ai un devoir, puis que là je m'en vais, pour un devoir, je vais avoir un lien, une association avec un seul enseignant. Hein, donc ici, le principe, c'est qu'un enseignant peut avoir fait plusieurs devoirs, mais un devoir a, a été fait juste par un enseignant. Il n'a pas été fait par plusieurs enseignants. Donc, encore une fois, puis c'est une des affaires qui va être difficile avec la gestion des euh, diagrammes de classe, c'est de lire puis de bien interpréter la multiplicité. Donc, quand je travaille avec la multiplicité, je commence en me disant j'ai un élément d'un bord ou de l'autre. Donc, je commence par la gauche. J'ai un, bah, mettons qu'on check l'autre ici, j'ai un enseignant qui donne. De un à plusieurs cours. Puis ici, j'ai un cours qui est donné par un ou plusieurs enseignants. Donc ici, ce deuxième diagramme-là, ce que ça l'indique, c'est que les cours sont possiblement donnés par plusieurs enseignants, mais au moins un, hein, puisqu'on a le 1, 2 points. Puis qu'un enseignant peut donner, doit donner au moins un cours, mais peut en donner plusieurs. On est capable d'avoir aussi des euh, associations réflexives qu'on appelle ou des associations unaires. Donc, ici, on a un exemple là, où j'ai une personne okay, qui va être le surveillant d'examen de quelqu'un d'autre. que le principe ici, c'est que les deux, c'est une personne. Puis c'est là que ça va être important d'avoir le titre puis d'avoir des rôles. Okay, pour dire, ben, j'ai la personne qui va être le surveillant, puis j'ai la personne qui va être le surveillé. Donc, on peut voir ici qu'on a une association unaire okay, avec des rôles, puis on va avoir d'autres exemples avec la multiplicité où c'est qu'on va pouvoir essayer de décortiquer ça un petit peu. On a des cas particuliers. Pour les associations binaires. Donc, euh, parfois, je vais avoir une association avec un élément ou un autre, mais pas les deux en même temps. Donc, euh, le principe, c'est ici, j'ai un examen, puis l'examen, il peut être soit dans un bureau d'examen ou soit dans une salle de classe. Ça peut être un des deux, mais pas les deux. Donc, pour être capable de représenter ça, on va avoir donc notre classe, on va avoir les deux associations. Puis, entre les deux associations, je vais avoir ce qu'on appelle un XOR. OK? Ou en français, ça s'appelle un OU exclusif. Donc, dans ce cas-là, c'est soit une des, une des deux associations qui peut être prise, mais pas les deux. Donc, l'examen peut être fait dans un bureau d'examen ou dans une salle de classe. Puis un bureau d'examen va pouvoir avoir plusieurs examens à l'intérieur de celui-ci. Puis une salle de classe va pouvoir avoir plusieurs examens à l'intérieur de celui-ci. Donc euh, le exclusive or c'est un ou exclusif. OK C'est raccourci, le exclusive garde juste le X puis ça fait un xor. Donc c'est un ou l'autre. Un exemple d'une association unaire. Okay. Donc ici j'ai des exemples, puis je vais aller regarder lesquels qui font du sens ou pas. Okay. Donc, si je regarde ici, j'ai une personne, puis la personne okay, peut avoir un lien. Hein, puis le principe, c'est j'ai une personne, comment je lis? J'ai une personne. Je lis qui peut avoir de 0 à 1 femme. Puis, j'ai une personne qui peut être liée à de 0 à 1 okay. mari. Donc, euh, on ne parle pas de la conception ici, c'est très hétéronormatif. Okay. Mais on va juste l'interpréter comme elle est écrite. Donc, si on regarde ici, on a, ok, une personne qui est euh, deux fois. Ben en fait, j'ai une personne qui a deux femmes. Ben ça ici, ça marche pas parce que pour une personne, j'ai le droit d'avoir de zéro à une femme. Ok, dans le schéma. Je ne fais pas d'implication sociale ici. Les autres, OK, par rapport à qu ce qui est écrit, sont corrects. Donc, ici, j'ai un lien qui va de 0 à 1, ça marche. David a un lien avec rien, hein, fait que j'ai 0 puis 0, ça fonctionne. Puis, on peut voir ici que possiblement que le, euh, la conceptualisation n'est pas super parce que ici, j'ai Charles qui est marié à lui-même. Puis, d'après notre diagramme de classe, ça fonctionne parce qu'il y a un relié à un il y a un relié à un. Pas de trouble. Il <laughs> n'y a pas de problème. Donc, il faut faire attention à ce genre d'éléments-là. On a aussi des associations à plus de deux éléments. Donc, on va avoir des associations n où en fait, habituellement, là, on va en avoir trois maximum. Okay? Fait qu'on va avoir des associations ternières qui me permettent d'avoir trois éléments. Fait que quand je veux lire ça, je vais dire un de celui-là, un de celui-là, puis là, je peux aller voir le lien. Fait que pour un examen et un étudiant, j'ai de 0 à un enseignant. Pour un enseignant et un examen, j'ai de 0 à un infinité d'étudiants. ok Donc, on, quand on va lire la multiplicité dans ce cas-ci, on en prend deux à un. On suit le dernier lien. Puis cette multiplicité-là nous dit pour un de ceux-là et un de ceux-là, voici la multiplicité pour les étudiants qui viennent avec. Là, ici, il faut faire attention parce que les associations NIR, il ne faut pas euh, s'y prendre par mégarde. OK? Avec différentes versions. Qui pourrait être semblable. OK? Donc, euh, le principe ici, c'est de dire hein, pour un examen, pour un étudiant, j'ai un ou en fait zéro enseignant. ben c'est une relation ici, même principe, j'ai un lecteur j'ai un examen, j'ai de zéro à un une infinité d'examens. Si j'ai un étudiant puis un enseignant, j'ai de 0 à 1 infinité d'examens. Le principe ici, c'est qu'il y a une relation hein, des deux pour le troisième. Donc, il y a une relation entre l'étudiant et le lecteur, puis les deux ensemble portent vers un examen. La problématique ici, c'est quand j'ai un lecteur qui est relié à l'examen, puis j'ai un examen qui est relié à l'étudiant. J'ai plus la relation entre l'enseignant et l'étudiant. Donc, le principe, c'est que le lecturer va regarder des examens, mais ne saura pas si c'est un étudiant ou pas. Donc, il n'y aura pas ici la relation que pour un enseignant puis un étudiant, il peut avoir juste un certain nombre d'examens spécifiques. Donc, faire attention, ces deux différents diagrammes-là. OK? Ne sont pas interprétées de la même manière. On va avoir des classes spéciales okay, qui vont être ce qu'on appelle des classes d'association ou des classes associatives. Donc, le principe de classe associative, c'est que la classe va exister seulement. Quand on a une relation, quand on a une association entre deux autres classes. Donc, euh, j'ai un exemple ici, OK, où c'est que j'ai des étudiants, puis j'ai des programmes, OK, des programmes d'enseignement. C'est comme ici, on est dans euh, conception, big da, conception de base de données, on a Big Data, on a des AI, c'est différents programmes. Puis, en tant qu'étudiant, quand je fais un lien avec le programme, j'ai des informations qui euh, émergent de cette association-là. Donc, dans ce cas-ci, quand j'ai un étudiant puis un programme, je vais avoir une inscription qui va être générée de la relation entre ces deux-là. Donc, pour un étudiant et un programme, je vais avoir une inscription qui va pouvoir avoir à son tour différentes, euh, différents attributs additionnels. On peut l'avoir pour des associations binaires, la classe associative, ou sinon pour des associations ternières, comme un exemple. Pour un étudiant, un examen et un enseignant, je vais avoir ici... Une note qui va avoir la note à l'intérieur. Donc, euh, ce principe-là, on a okay, des classes d'association qui sont des informations qui sont euh, créées à partir d'une association entre deux classes existantes. Habituellement, cette nouvelle information-là va avoir des attributs additionnels. Que je vais vouloir créer. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ici, le principe, c'est que les classes d'associations sont requises quand j'ai des associations okay, qui sont de multiples à multiples. Okay, parce que le principe, c'est que si j'ai une compagnie, hein, si on lit la multiplicité, j'ai une compagnie qui peut avoir plusieurs personnes dans la compagnie, puis j'ai une personne qui peut être dans plusieurs compagnies. Hein, donc, euh, dans ce cas-là, quand j'ai une relation entre une compagnie et une personne, j'ai un salaire et une position. Mais si, admettons, on regarde l'alternative suivante, qui me dit que j'ai juste une compagnie. Là. Okay, donc, pour une personne, je peux juste travailler à l'intérieur d'une seule compagnie. Je ne peux pas travailler à l'intérieur de plusieurs. Le principe, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir ma classe associative parce que je vais pouvoir prendre les informations puis venir les insérer directement dans la personne parce que j'ai juste une compagnie. Donc, la personne a juste un salaire, a juste une position. Ce pas des informations que j'ai besoin d'aller travailler euh, sous plusieurs angles. Quand on fait les classes associatives, ça va toujours être hein, des versions fancy. C'est important de voir la distinction entre les classes associatives et les classes régulières, puis les associations régulières. Donc, si on regarde ces deux représentations-là. Donc, si j'ai un étudiant, j'ai des programmes, puis j'ai des inscriptions. Le principe ici, c'est que quand j'ai un programme et un étudiant, quand je m'en vais faire l'inscription, le principe, c'est qu'il peut, seul, il seul, il peut seulement avoir un objet qui va être relié à ces deux-là. Donc, un étudiant avec un programme peut seulement représenter une inscription. Avec cette représentation-là, l'étudiant peut avoir plusieurs inscriptions, puis les inscriptions vont pouvoir être à un programme, mais l'étudiant peut avoir autant d'inscriptions qu'il veut. C'est comme si l'étudiant peut s'inscrire plusieurs fois au même programme. Là, ça va dépendre. Est-ce que tu veux que ton système accepte ça ou pas? Okay. Mais c'est une distinction importante entre les deux. On continue, on peut ajouter des propriétés. Okay? Donc, le principe ici, c'est qu'on ne peut pas avoir de doublons. C'est ça qu'on vient de dire. On peut juste avoir un examen pour un examen et un étudiant. Je peux avoir des attributs additionnels là, qui peuvent être écrits, mais ce n'est pas des choses qu'on va aller regarder euh, souvent. Là. Okay? Donc, euh, ce principe-là de unique, non unique, ce pas des choses qu'on va voir souvent. Fait que... On peut y faire moins attention. On va avoir des associations particulières, okay, qui va être l'agrégation. Donc, euh, l'agrégation va être utilisée pour euh, représenter une association qui, est, euh, qui va faire partie intégrante. Okay? Donc, euh, c'est pour exprimer qu'un élément fait partie d'un autre élément ensemble. OK, donc mettons à l'intérieur euh, dans un auto, j'ai quatre pneus. Ben les quatre pneus puis l'auto ce c'est pas la même relation que euh, entre nous étudiants et enseignants. Là. OK, tu as plusieurs enseignants, j'ai plusieurs étudiants. OK, c'est pas la même représentation que j'ai un auto, puis l'auto a le quatre pneus, elle peut pas avoir quatre autres pneus, puis ces pneus-là peuvent pas être avec d'autres autos. Okay. On va voir qu'il existe deux types d'agrégation. Il va avoir ce qu'on appelle l'agrégation partagée ou l'agrégation faible, puis il va avoir la composition ou qui s'appelle l'agrégation forte. On va commencer avec l'agrégation faible. Donc, ça exprime une faible appartenance à un tout. Okay. Donc, ça veut dire que les éléments peuvent exister à l'extérieur de cette agrégation-là et euh, la multiplicité peut être plus grande que 1. Que le principe, c'est que ça peut faire partie de plusieurs autres éléments en même temps. Donc, ici, on a un exemple. J'ai un euh, programme d'études. Puis le programme d'études, hein, quand on a donné votre programme d'études, on te dit voici la liste des cours qui fait partie de ce programme d'études-là. Donc, on voit ici du programme d'études, j'ai une agrégation faible de différents cours. Hein? Le programme d'études contient les différents cours. Mais le principe, c'est que ça se peut que ces cours-là, bon, ici, c'est des cours qui sont spécifiquement faits pour votre euh, votre curriculum, mais mettons à l'université euh, ou au cégep, les cours vont faire partie de plusieurs disciplines. Okay? Dans les cours cégep généraux, là, le cours de français, il fait partie de tous les différents programmes. Fait que le cours peut appartenir à différents programmes, mais ça ne change pas le fait qu'il y en a un qui contient l'autre. Même principe, quand on prend des présences, mettons, dans un laboratoire, bien, on va avoir des étudiants, OK? Puis l'étudiant peut faire partie ou pas de ce laboratoire-là. Mais le principe, c'est que c'est des, euh, des contenants, mais des contenants qu'on va dire logiques, OK? Des contenants qu'on va dire éphémères. C'est une représentation mentale d'un contenant, là, mais il n'y a pas rien de tangible. Le deuxième type d'agrégation, c'est ce qu'on appelle la composition ou l'agrégation forte. Donc ça, habituellement, ça va être pour des représentations d'éléments qui sont physiques ou des éléments qui sont tangibles. Donc le principe de l'agrégation forte, c'est que si l'agrégation est brisée, les éléments de la composition partent avec cette... Euh, représentation là. Okay, fait que le principe ici, c'est un exemple physique. J'ai un bâtiment qui va avoir une composition forte sur des salles de classe, puis dans chacune des salles de classe, je vais avoir ici un projecteur. Le principe ici, c'est que si le building est supprimé, si le building disparaît, ben, ça va emporter automatiquement avec lui les salles de classe, ça va emporter automatiquement avec lui les différents projecteurs. Donc, la composition, ça va être utilisé quand on a des représentations réelles ou des représentations physiques ou ce qu'on dit des représentations fortes. Quand il y a quelque chose qui va être emporté avec cette agrégation-là, c'est que c'est une... Composition un une agrégation forte. Alright, fait que si on se pose une petite question, donc j'ai ici la représentation quatre représentations possibles entre une automobile et des euh, pneus, hein, tires c'est des pneus ou des types de pneus. Puis là, je me demande, dans ces différentes représentations-là, lesquelles okay, sont valides, puis lesquelles sont invalides. Donc, si on regarde ça, on va voir que la première et la dernière seraient valides, puis les deux du milieu seraient plutôt invalides. Donc, euh, si on regarde, on a un auto, l'auto a quatre pneus. OK? Puis, si on perd un auto, on perd les quatre pneus qui sont avec. OK? Donc, ça, ça fait du sens. Puis, on peut dire qu'un pneu, Peut être relié à un auto ou peut être relié à aucune auto. Hein. Je peux avoir un pneu qui est tout seul, hein, qui est dans un garage, okay, c'est mes pneus euh, maintenant d'hiver que je mets de côté. Mais quand c'est rattaché à l'auto, c'est une composition, okay, c'est très réel. Ici, cela ne fonctionne pas justement parce que, avec cette représentation-là, on ne peut pas exprimer qu'un pneu peut exister sans une voiture. Ce qui est un petit peu weird. Même principe ici avec l'agrégation faible, okay, puis avec le fait qu'un pneu pourrait être sur plusieurs voitures en même temps, avec des représentations réelles, ça marche plus ou moins là, de dire que le pneu est représenté par plusieurs automobiles en même temps. Par contre, si on a des types de pneus, Hein, des pneus Michelin, des pneus euh, Goodyear, ben, le type de pneu peut être sur plusieurs autos différents. Hein, on peut avoir plusieurs autos qui ont des pneus Michelin. Donc c'est ici, ça va bien. On continue, on revient avec un sujet qu'on avait euh, mentionné auparavant avec les diagrammes de code d'utilisation, qui est la généralisation, okay, la spécialisation, l'héritage. Donc, le principe de la généralisation peut aussi s'appliquer au niveau des diagrammes de classe. Donc, on avait parlé, quand on avait parlé de euh, diagramme de code d'utilisation, que la généralisation me permettait d'avoir une version générale, puis après ça, j'allais avoir différentes versions spécifiques qui étaient capables d'hériter de tous les éléments de la version générale, mais d'en rajouter en plus de qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Donc, euh, c'est le même principe avec les diagrammes de classes. Donc je peux avoir ici une super classe ou une classe parent ou une classe générale, c'est toutes des synonymes qui peut avoir certains attributs et je vais avoir des classes spécialisées, des sous-classes, des classes enfants, c'est toutes des synonymes qui vont hériter de toutes les attributs de la version générale. Le principe, c'est que j'ai une personne okay, qui peut avoir un nom, qui peut avoir une date de naissance. Puis après ça, j'ai des employés qui vont donc avoir un nom et une date de naissance, mais qui pourront avoir des éléments supplémentaires un salaire, une date d'embauche. Puis de l'autre bord, je vais pouvoir avoir des étudiants qui sont aussi des personnes. Fait ils vont avoir un nom, ils vont avoir une date de naissance, mais eux vont avoir une matricule, un nombre de crédits accumulés un lien vers les différents programmes auxquels ils sont inscrits. Donc, à partir de la personne, on va pouvoir regrouper les différentes informations qui sont communes à nos sous-classes sans avoir à les réécrire. Excellent. Donc, ça, ça fait le même principe. On en avait quand même parlé pas mal. Des, de la généralisation la dernière fois, c'est le même principe qui s'applique. C'est juste que là, qu'est-ce qui est hérité C'est les attributs de la classe. Même principe avec les choses qu'on a déjà vues. On va avoir des classes abstraites qui vont être aussi disponibles. Donc, quand j'ai une classe généralisée, une classe, une super classe, une classe parent, je peux indiquer que cette classe-là est abstraite. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans mon modèle, dans mon système, dans ma base de données, je ne pourrai pas avoir quelqu'un qui est seulement cet élément-là. Je vais pouvoir avoir des éléments, des instances, seulement des spécialisations. Donc, ici, j'ai la personne, mais je ne veux pas avoir quelqu'un qui est dans mon système d'école qui est juste une personne. Je veux juste avoir, ok, mettons un exemple ici des employés ou des étudiants. Donc, je peux avoir la personne qui est avec, entre accolade, avec le mot abstract pour représenter ce que j'ai besoin. On a la possibilité d'avoir de l'héritage multiple en UML. Donc, euh, le principe, c'est que je vais hériter de différentes sources d'attributs. Euh, vous allez voir ça très peu souvent dans des diagrammes parce que, euh, ultimement, euh, c'est malheureusement pas supporté dans la majorité des langages de programmation. C'est pas supporté non plus dans la majorité des bases de données. Donc, euh, on peut le faire en UML, mais après ça, rendu à l'implémentation, c'est un gros problème. Excellent. Euh, ici. Parfait. Donc, euh, juste un exemple de euh, d'un diagramme de classe complet, avec ou sans généralisation. Donc, euh, ici, j'ai un exemple où c'est que j'ai des programmes d'études, des cours, okay, des départements, des euh, associés de recherche, des étudiants, des euh, employés administratifs. Le principe ici, c'est qu'on peut voir qu'il y a plusieurs des éléments qui sont répétés à l'intérieur des différentes classes. Fait on va pouvoir garder ces informations-là, puis être capable de les représenter dans une seule classe. Puis à partir de là, on va pouvoir hériter des informations okay, dans différentes classes avec seulement les informations additionnel qu'on aurait besoin pour cette classe là all right fait que le restant des diapos on va se les garder pour la semaine prochaine pour parler de conception ok puis de création de diagrammes donc on va les regarder comment construire un diagramme de classe à partir d'une mise en situation. Mais avant de faire ça, je veux qu'on soit capable de bien maîtriser les différentes règles du euh, diagramme de classe et des diagrammes d'objets. Donc, euh, comme pour notre première semaine avec les euh, diagrammes de code d'utilisation, j'ai déposé sur le site, ben sur Léa, un document dans lequel on va avoir une série de questions. Dans ce cas-ci, je n'ai pas directement mis les réponses, je les ai gardées cachées. Donc, on a une série, je pense, d'une dizaine de questions, douzaine, douzaine de questions qui vous demandent. Okay. différentes informations qui vont tester vos connaissances sur les diagrammes de classe qu'on a vus aujourd'hui. Donc, euh, comme pour euh, les dernières semaines, on va mettre fin pour l'instant à notre euh, partie magistrale et le restant de la période va être utilisé pour répondre à ces différentes questions-là. Pour vous aider aussi, euh, je vais mettre en ligne euh, dans les plus brefs délais la euh, présentation euh, magistrale de ce soir. Pour être capable de faire ça, il faut que je ferme la rencontre Zoom pour que ça me prépare l'enregistrement. Puis une fois que l'enregistrement est préparé, je vais réouvrir le Zoom. Et si durant vos exercices, vous avez quelconque question, vous pouvez venir et commencer à poser les questions à l'intérieur du Zoom. Si vous réussissez à faire les questions sans d'aide externe, vous n'êtes pas obligé de revenir dans la période du Zoom. J'ai une question de Monia. Euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire au moins la question numéro 1 ensemble pour bien pratiquer et saisir ce qu'on a vu et comme ça on peut faire le reste, tout seul? Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, s'il vous plaît. Excellent. Donc, admettons ici, on, euh, on va regarder la question 1 ensemble. Donc, euh, on demande comment est-ce qu'on veut modéliser la situation avec le diagramme de classe. Donc, euh, la prémisse ici, c'est qu'on va avoir encore une fois une mise en situation qui va me donner des informations. Puis à partir de ces informations-là, je vais vouloir sélectionner le bon diagramme de classe. Fait que ici, on voit que j'en ai quatre. On va aller lire la question, puis on va aller essayer de sortir les informations importantes. Donc, on dit qu'il existe exactement deux types de participants, on va avoir des membres puis des invités, ok, fait que des membres et des guests, puis les invités sont invités par des membres, ok, donc on se demande comment est-ce que je peux représenter les informations avec les différents diagrammes suivants, donc la première chose, c'est de savoir j'ai combien d'informations, j'ai combien de classes qui vont être représentées. Donc, si je regarde ici, dans mes choix, dans mes options, j'ai soit trois éléments des participants, des membres et des invités, ou sinon, je vais avoir des participants, des membres, des invités, puis des invitations. OK? Donc, si on regarde, on va aller regarder pour se demander lequel qu'on va utiliser. Bien, premièrement, mettons que je regarde le dernier. On va essayer d'y aller par élimination. Si je regarde le dernier, je peux voir que j'ai une invitation. Puis l'invitation a une flèche hein, pleine de généralisation. Fait que pour être capable d'avoir une généralisation, il faut être capable de dire qu'un membre, c'est une invitation. Puis un invité, c'est une invitation. Donc, on voit ici que. Euh, syntaxiquement parlant, là, ça ne fait pas de sens. Quand on parle de généralisation, il faut que ça l'hérite d'éléments okay, communs. Donc, euh, tout de suite, le dernier, le D, okay, ne fait pas de sens parce que la relation de euh, généralisation n'est pas bonne. Ensuite, on peut voir après ça, si on regarde les autres euh, relations de généralisation, je peux voir ici que... J'ai les membres, j'ai les invités, puis je peux voir ici que okay, j'ai des euh, participants, qui est la version générale. Hein? Donc, un membre est un participant, un invité est un participant. Même principe si un membre est un participant, un invité est un participant. Ici, j'ai un membre qui est un participant, ici j'ai un invité qui est un participant. Mais là, celui-là, il est différent des deux autres. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'élément abstract et ça ça veut dire que je pourrais avoir un participant qui est ni un membre ni un invité mais là' il existe exactement deux types de participants c'est soit des membres soit des invités donc je ne peux pas avoir le c parce que je pourrais avoir un participant qui est ni un membre ni un invité il faut absolument que le participant soit abstract. Donc ici, je n'ai pas besoin d'avoir celui-là. Il me reste juste mes deux derniers ici. Donc pour les deux derniers, c'est la distinction la euh, plus difficile à faire. Le principe, c'est euh, quand j'ai une invitation, est-ce que ça devrait être un lien? Ou est-ce que ça devrait être un élément spécifique? Donc, dans ce cas-ci, euh, les deux seraient fonctionnels, mais le deuxième est euh, pas bon parce que quand on a un 1-1-1-1, cette information-là n'a pas d'importance en tant que telle. Elle va pouvoir être insérée soit dans le membre, soit dans l'invité. Donc, euh, dans ce cas-ci, on va avoir le A qui serait notre élément qu'on voudrait, qui nous permet de dire j'ai deux types exactement de participants, les membres et les invités. Puis on va pouvoir dire que les invités sont invités par des membres. Fait que j'ai un invité, je suis invité par un membre, puis les membres vont pouvoir inviter plusieurs invités. Donc, pour le premier, notre bonne réponse serait le A pour sa présentation, puis par élimination des autres éléments. Est-ce que ça donne merci. une idée de... Où oui, oui. Va? Oui. oui, merci beaucoup. Excellent. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on se lance dans les différents exercices de la soirée? Ça semble bien. Donc, je vais arrêter notre enregistrement pour ce soir.